Les trois, Mathieu. C'est toi au sol. Ouais, trois. Je te laisse faire, je te tuerai pas le trou. McBran, j'ai rien là, j'ai mais moi non plus, messieurs. Voilà. Et là-bas, j'ai tous les sans-papiers qui sont là-bas, c'est parfait. Mais attends, messieurs. Moi, ce que je trouve toujours débile, c'est tous ces gens qui viennent voir des gens se battre. Avec un peu de chance, ils tournent. Ils viennent voir. Avec beaucoup de chance, ils tournent. Ah bah c'est plus compliqué toi, tu as choisi la difficulté. Hein.
L'avantage de Langon, ça, ou ça, surtout celui-là, c'est que si j'arrive à attraper le bouclier, je rentre. On va remettre ton bouclier devant. Et c'est une javeline, ça se propulse aussi. Et si je suis dans cette position, je propulse. J'ai vu, talon devant, qui peut permettre de revenir très rapidement comme ça. Arrivons, ah, protège ta tête aussi. Ah oui. Les enfants, ne refaites jamais ça. Ben oui, si vous voulez le refaire, allez faire ça chez vos voisins. Voilà, c'est beaucoup mieux. Parce que quitte à tout péter, autant aller tout péter chez les autres. Voilà. Il est pas okay. Là. Ça, c'est ça. Ben, on est ici, tes voisins. Ben non. Donc vous êtes assez de balles chez les voisins, c'est mieux. Ouais, ça 260 par exemple. Bien, allez. Nous vous remercie. Si vous regardez bien, parce qu'on est à 4 armes, on va donc tricoter. Vous êtes 2-2, c'est bicoté. Ah bon. Ouais, bon, ben, on va faire un truc en côté. Donc, vous le laissez faire ces machins. Et dès qu'il s'approche un peu trop près, vous frappez. Oui, non, mais là, regardez. Remets ton arme. Non, l'autre. Non, elle était là. Là, on était morts tous les deux. Ils ont rien vu. Ils regardaient au lieu de fermer les yeux quand je vois. Tu veux qu'on le fasse au ralenti en plus? Avec les mimiques et tout. Hein. Ouais, mais c'est débile! Le ralenti, ça dure des plombes. Un combat, ça doit pas durer des plombes. Comment il se déplace? Alors là, vous n'avez pas vu, mais il m'avait un peu la tête, mais moi j'avais entre les jambes. Voilà. Au ralenti, ça faisait. Il y a peut-être moins à casser d'un côté. Donc alors, moi, je lui fondais la tête en deux. Moi, je meurs tout de suite. Lui, il meurt ce soir, en atroce souffrance. Et personne n'accepterait d'être côté riso fer rouge à cet endroit-là. Quand tu vois arriver... Plutôt crevé. Alors... Là, je me tue. Ouais. Il s'est tué tout seul, en fait. Hein. Alors, je le tue et je me tue. Le défi est zéro. Ouais. Alors là, c'est une lutte intestine. Hein. Ouais, il y a une attention. En pleine digestion.
Ouais. Là, comme il est grand, je tape sur bas. Comme je suis grand, je tape en haut. Voilà. Donc à chaque fois, je déborde. Et lui, il escouille. Quand tu es chevalier, redevenir escouillé, c'est une régression. C'est pas une promotion sociale, hein. Ça va? Tu me fais peur, monsieur. Vous avez vu qu'il s'abaisse? T'as 50 ans? Ouais. Depuis plusieurs années? Ouais. T'es toujours vivant? Oui. Donc t'es chanceux et bon au combat? Oui. Salut. Attends, avant de partir. Toi aussi t'as plus de 50 ans? Ah oui? Toi aussi t'es chanceux au combat? Oui. Ben moi aussi, ça veut dire. Attends. Tu vas pas les battre entre ceux qui sait se battre? Ça va pas, non? Je suis pas malade en plus, il accepte de se battre. Faut se méfier des gars en chemise qui acceptent de se battre. Ouais. Vous y allez, vous? J'irai, toi. Et ben moi, si je suis toujours vivant, c'est parce que j'ai évité 90% des combats comme ça. Et j'ai gagné 10% des autres à 5 contre 1. Ouais, merci. Ah bah ouais. Les gens, vous êtes grands. 1m50, il faisait 150 kilos. Et vous étiez tout seul avec vos amis. Ouais. Et sans armes. C'est moins nombreux. Bon, on a été voyer essayer des choses qu'on ne devrait pas faire. Ouais, quand même, parce que l'entraînement sert à ça. On essaye des trucs. Oui. Bah, on attaque, c'est pas évident. Ah. Alors moi, je meurs tout de suite. Mais lui, il meurt demain ou après-demain. Oui, en sifflant. Non, un mort. Non, parce que moi j'arrivais là. Alors j'aurais dû être plus bas. Ouais, il était trop haut. Ça gratte. Ouais, on va plus se mettre là, messieurs, parce que j'aime pas que tu m'enfonces là-bas. Surtout qu'il y a Athéna qui nous regarde. Fais attention, Damozo. Là, il perçait par là. Ouais, mais ça passait pas. Alors moi, Alors, ce qu'on fait là, ça s'appelle la sensation du fer. On regarde comment l'autre tient ses armes, comment il se déplace. Par moi. Mais là, j'explique. Un poignet en moins. Il était un peu avant. Oui, mais je mourrais quand même. Voilà. Parce que dans les lores, on meurt pas comme dans les films. C'est et on tombe. Il aurait fait Alors moi j'aimerais pas mourir dans l'élan, c'est dégueulasse. Ouais. Bon messieurs, je te remercie. On remercie le capitaine. Ah, bien messieurs. J'ai remonté, j'étais mort. Hein. Ouais. Là il faut que j'apprenne à deux mains. C'est le 13e siècle américain. Vous voyez, il faut aller chercher la faille, c'est pas évident. Ça fait 8 ans, tricote. Bah oui, parce qu'on essaie de trouver. Ça va, messieurs? Oui, merci. Il a bien avancé celle-là. Donc, je vais devenir comme celle-là. Oui, des fois, l'entraînement ne fait pas, seigneur. Je meurs tout de suite. Je confirme. Lui, il se déplace. Vous allez voir, on va tricoter. Pardon, quadricoter puisqu'il y a cadran.
Hop, ça va les doigts. C'est compliqué, hein. Alors, si on regarde bien, deux morts. Ça sert à rien. Ben non, deux morts. Ah ouais. Donc rappelez-vous, deux contre un, c'est mieux. Bon, on va dire que c'est un combat d'entraînement à l'épée tranchante. C'est bien comme ça. Voilà. Voilà. Donc, là, on n'est pas dans la même catégorie d'armes. Et on ne veut pas taper sur le tranchant de l'autre. Donc, pour essayer de placer son épée à un endroit, l'autre, il ne veut pas pour la balle. Là, repousse mon épée. Ah, dans les films, ça fait ça. Et il prend l'avantage. Il enlève mon arme et il frappe. Dans la vraie vie, ça ferait plus. Ah, il est revenu. Ah, il y a un problème là. Un bras. En fait, c'est qu'il a réussi à me coincer avec l'épée. Il avait qu'à relever le bras pour transpercer. Sauf que comme il est sympa, il l'a pas fait. Bon, vous pouvez acclamer Julien. On voulait vous amuser un peu à l'arme d'As. Alors, non mais il est rentré quand même. Hein, parce que il aurait profité de mon avant-bras pour rentrer. Oui, mais moi aussi je rentrais. Donc il n'y a aucun intérêt. Une épée, on vous a dit, elle faisait moins d'un kilo. Celle-là, elles font plutôt dans les... Elles sont combien, 800 grammes à peu près? Celle-là... non, pardon. Celle-là, 1,270 kg. Ça m'avait dit Gaël. Elle est un peu plus lourde, mais elle est faite pour moi. En fait, c'est extrêmement léger. S'il la dégage, elle revient tout de suite. Il dégage à moi. Oui, ça revient très vite. Je sers de l'élan. Je me sers de l'élan qu'il me donne. Mais la sienne aussi, c'est pareil. S'il la dégage, il peut très bien la ramener. Oui, vas-y, vas-y. T'as. Je dégage et je rentre. Bien, regardez le bloc dans le blanc des yeux. Oui, et vous savez ce qui se passe là? Ils sont en train de faire le combat dans leur tête. Et tout d'un coup, oh! Oh là là, il est mort! Il est mort dans sa tête. Mettez bras comme ça, la dame, je vais tomber dessus. On allait pas aller vite, hein. Il y a des textes qui racontent que les rares fois où il y a des duels, les types s'observent pendant 2 à 3 heures. Ah bah attends, si on doit s'observer pendant 2 à 3 heures. Non, parce que avant d'y aller et de risquer de mourir, tu mets toutes les chances de ton côté, tu explores toutes les solutions, et quand tu te rends compte que c'est pas possible, eh ben, ça t'en va. Ok. Alors, tu vas faire quoi avec tes deux armes alors qu'on en a trois? Ça veut dire grand, quoi. Merci. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Bon, vous pouvez acclamer Julien. Voilà. Non, mais c'est. Je vais pas dire, elle demande d'autres corps de vie. Mais ça fait ça, mon prêté de vie. Oh, la demoiselle, elle fait quoi là? Oh, la demoiselle, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On passe par derrière, pas au milieu. Hop, dehors. Après, il y a un truc beaucoup plus rigolo à faire. Hein. Le regard flou dans le vide, perdu, loin. Ouais, on ça, on fou. Ah oui, c'est vrai, c'est bien. Ouais, vers l'infini. Vous pourriez faire un peu de bruit en même temps. Hein. Ouais, Out. Et chargez. Est-ce qu'il filme en plus? Non. Parce que vous allez mourir toutes les deux, ce qui est débile. L'important, c'est de jouer avec la hampe. D'accord? Vous inquiétez pas, même si t'es timide, c'est pas grave. Mais dis-toi qu'il y a plein de messieurs qui adorent voir des dames jouer avec des hommes. Oui, des fois, je dis des trucs que les enfants ne peuvent pas comprendre, c'est exprès. C'est normal, c'est vous enfants. Pourquoi il donne une astuce? Non, il donne pas une astuce. Toi, je te c'est la triche, le bourreau. Non, le forgeron. T'es prête? T'as vu, toi, je te le demande pas. Allez! Hey, Sinop! Allez, vous faites du bruit! Allez, c'est
Ha ha ha!